lips, they tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed in my... J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue partenariat. Depuis peu, j'ai été sur le site Sublime pour essayer de voir voilà, s'il y avait des produits qui pouvaient m'intéresser à tester. Parce que voilà, j'aime bien tester des produits et j'ai eu la chance de pouvoir en tester un. Chance, oui et non, on verra ça tard. J'ai pu tester le shampoing, le low shampoo L'Oréal Elsève, donc huile extraordinaire, crème lavande délicate, non moussant, sans sulfate avec un astérix. Hein, je tiens à le souligner qu'il y a un joli petit astérix. Voilà, ce qui dit que c'est sans sulfate, mais il y a quand même des sulfates dedans. Donc voilà, aux 6 micro huiles de fleurs rares, et là vous avez encore deux astérix. Voilà. Donc, lavage ultra délicat, démêlage facile, anti-casse avec 3 astérix. Nutrition et fluidité infinie. Donc, c'est un grand format quand même, 400 ml. Voilà. L'odeur est légère, ça va, ça sent pas mauvais. J'ai voulu le tester parce que moi, clairement, avec la grossesse, j'ai les cheveux qui ont quand même relativement bien poussé. Vous avez peut-être dû le remarquer. Mais j'ai les pointes qui sont relativement très sèches. Donc là, ça fait bien une semaine et demie que je le teste. Et c'est très chelou à utiliser. Parce que voilà, c'est un shampoing qui ne mousse pas. C'est de la crème. Pour moi, c'est un après-shampoing. Je trouve pas que mes cheveux soient si brillants, si beaux. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je préfère... C'est pas devenu un ami. Franchement, je trouve que la compo est dégueulasse. J'ai l'impression qu'ils me mettent un après-shampoing blindé de silicone sur la tête, en fait. Vous avez la sensation gras. Enfin, voilà. Des après-shampoings qui ont une compo qui n'est pas super clean, quoi. Et ouais. Donc oui, ça démêle, oui. Ça démêle, ça nettoie, mais bon, ça tient pas vraiment dans la durée. Enfin, pour moi, ça tient pas, clairement. Je peux me relaver les cheveux demain, c'est sûr, parce qu'ils vont graisser, ils graissent super vite. Mais enfin, voilà, c'est pas. Je trouve pas qu'il y ait une différence, que mes pointes sont moins abîmées ou quoi. J'ai meilleur temps de faire un bain d'huile à l'huile de ricin et à la coco, je pense, franchement. J'ai des plus beaux cheveux quand je fais ça que quand j'utilise ce truc. Donc ouais, c'est très mitigé. Je vais continuer à l'utiliser. Je vais le finir, hein, clairement. Je vais le finir. Mais est-ce que je le rachèterai? Je pense pas. Oui, pour moi, c'est un après-shampoing. Si vous avez les cheveux qui se démêlent très difficilement, voilà. Ça va vous aider, tout ça. Mais pour moi, c'est de la poudre aux yeux. Pour moi. C'est juste un effet. C'est comme si voilà, vous vous maquillez les cheveux, quoi. Pour moi, c'est ça. C'est juste en surface, c'est pas en profondeur. C'est pas... Non. Pour moi, je suis pas... Non, genre, je suis pas comblée. Je me fais pas avoir. Je pense que je me fais pas avoir. Parce que oui, j'ai cette sensation quand ça vous dégouline tout le long du visage, dans le dos, vous sentez que c'est... Non. J'aime pas ça. Depuis que j'utilise la gamme Nature et Moi, j'ai plus cette sensation et j'adore ne plus l'avoir. Donc, pour moi, c'est pas... Non. C'est pas une révolution. Mais bon, là, toutes les marques vont s'y mettre, hein, forcément. Mais voilà, ça reste des shampoings avec des compos pas très clean, quoi. Et ça veut dire sans sulfate, alors que... Enfin, voilà, c'est ça. On essaye de mettre des sans machin, sans ci, sans ça. Et en fait, c'est quand même caché à l'intérieur. Donc, je suis pas très contente de ça, quoi. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé,
Si pour vous ça fonctionne, enfin si vous trouvez que ça fonctionne dans le temps ou quoi, parce que de toute manière ils le disent bien qu'il faut pas l'utiliser trop souvent, hein, qu'il faut bien alterner entre un autre shampoing et celui-ci, il me semble que c'est ce que j'avais lu. Je sais plus où. Voilà, utilisez votre lot shampoing en alternance ou à la place de votre shampoing et démêlant classique. Mais bon, voilà, c'est juste sans tensioactif sulfaté, donc il y a d'autres sulfates. Voilà, les micro-extraits huileux. Ouais. Mais ouais, c'est très 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 chelou à utiliser. J'ai la possibilité de vous en faire gagner, hein, si vraiment vous voulez le tester. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse qui s'affiche juste en bas. Hein. Vous mettez en objet que c'est pour concours Low Shampoo. Vous mettez votre pseudo YouTube dans le mail. Quoi d'autre? Donc ouvert à l'international, hein, ça sera directement le site Sublime qui vous l'enverra. Donc voilà, si vous voulez le tester, si ça vous intrigue vous aussi, vous aurez peut-être plus de chance que moi si vous n'êtes pas regardante sur la compo. Voilà, si ça vous dérange pas d'utiliser des silicones ou autres sur vos cheveux, si cette sensation de dégoulinance ne vous dérange pas. Moi, je sais que ça me. Ça, voilà, vu que je suis aquaphobe, je supporte pas d'avoir de l'eau sur le visage. Et là, avec les produits siliconés, clairement, ça dégouline. Donc je suis. Voilà, je suis pas bien sous ma douche. Donc non, j'aime pas ça. Donc voilà. Donc si vous voulez vous le tester, n'hésitez pas à participer à ce petit concours. Et vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Vous n'hésitez pas à partager sur les réseaux. Voilà. Vous me taguez et comme ça je pourrai voir ce que vous en aurez pensé. Donc oui, un à gagner et ce sera le site Sublime qui vous l'enverra directement. Donc voilà. Vous avez compris que voilà, même si c'est une vidéo en partenariat ou que j'ai reçu le produit gratuitement, mon avis reste mon avis quoi. C'est pas un avis préformaté, hein. Donc là, je suis désolée pour la luminosité. Il s'est mis à faire tout gris. C'est un petit peu compliqué en ce moment pour faire des vidéos. Parce que oui, c'est soit tout gris, soit il fait beau le matin, il fait super moche l'après-midi. Donc c'est pas super évident. Et là, je vais essayer de quand même d'enchaîner les vidéos parce que j'en ai pas mal à tourner si je veux que vous n'ayez pas de creux bah, pendant mon absence. En fait, si je veux que vous ayez une vidéo quand même. Tous les dimanches, qu'il n'y a pas de coupure, il va falloir que je m'y mette malgré mon état de fatigue. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Ne vous étonnez pas si vous me voyez habillée, maquillée de la même façon dans plusieurs vidéos, c'est que c'est pré-filmé. Toutes mes vidéos sont pré-filmées parce que, bah, clairement, avec ma connexion internet, il n'est vraiment pas possible pour moi de filmer, monter et uploader ma vidéo en une journée. Sachant que moi, pour upload voilà, sur YouTube, mon PC tourne toute la nuit. Que ce soit pour des vidéos de 10 minutes comme 20 minutes. Donc c'est très 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 lent. Ça, c'est le truc. J'ai essayé de trouver des alternatives pour formater mes vidéos pour que ça passe le moins de temps, ça fasse le moins de temps possible, mais même non. Voilà. C'est comme ça. Va falloir que je m'y fasse tant qu'il n'y a pas la fibre ou une meilleure connexion dans mon village. Donc n'hésitez pas à participer pour gagner un produit. Donc L'Oréal Elsève, l'huile extraordinaire, donc le lot shampoing. Si vous voulez le tester, n'hésitez pas à participer. Donc je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et portez-vous bien. Creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Kryptonite desires set my heart afire.